te remercie d'être venu. Mon amour, je suis triste pour la perte de Rosario. La pauvre. Je ne te laisserai pas seule dans un moment pareil. Tu peux te tenir correctement? C'est un enterrement, t'es pas en soirée là. C'était l'unique femme qui, en réalité, a su m'aider à m'occuper du travail de la maison. Quel lieu impressionnant, mon vieux. Mais non, regarde un peu comment elles sont. Ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, je vais vous prendre en charge, d'accord? Voilà ce qui manquait, mon vieux. Que je puisse enfin retourner à mes plantes, c'est là que je me sens heureux. C'est bien, mon gars, que tu retournes à ce qui te rend heureux. Comme ça, tu ne feras pas d'autres bêtises. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À bon entendeur, salut, mon gars. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, mon vieux? Que j'ai essayé de me suicider, c'est ça? Tu crois vraiment que j'allais me suicider dans la maison de ma fille? Elle n'a déjà plus de mère, donc elle se retrouverait sans père et sans maison, c'est ça? Non, bien sûr. Mais bon, Pedro, tu dois tout de suite te reprendre. Tu ne peux pas continuer ainsi, traînant ta tristesse. Tu dois te ressaisir et redevenir celui que tu étais avant. Non, 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 mon vieux. Amelia s'est chargée de détruire l'homme que j'étais. Et il ne reviendra jamais. Repose en paix au ciel, jardinier. Ou brûle en enfer, ça m'est complètement égal. Mais s'il te plaît, fais-le avec la bâtarde. Pendant que je vois comment je me charge d'Amelia. Mes frères, nous nous sommes réunis ici en un jour difficile. Il est difficile car il est triste et amer pour ceux qui ressentaient de l'amour pour cette femme exceptionnelle qui nous laisse. Mais c'est aussi un jour de bonheur pour ceux qui montent aux côtés de notre Seigneur. Ce n'est pas facile de perdre quelqu'un. Non, ça n'est pas facile de perdre les êtres qu'on aime. Et encore moins si ce quelqu'un est important et aimé. Mais les décisions du Seigneur sont parfaites. Tout a un temps et un espace, tout a un destin, et ceux qui se séparent de façon inattendue se retrouveront unis. Comme toi et moi, Carlos, nous serons à nouveau réunis. Bien que la mauvaise herbe essaye de les séparer, surmontant les obstacles qui mettent à l'épreuve leur persévérance et patience. Car il est bien question de ça dans la vie, mes frères. De patience et d'amour. Mais l'amour ne s'offre pas facilement. Car nous céderons seulement devant la peur de la solitude. Nous contentant de n'importe quel amour qui nous sera offert et non de celui que nous méritons vraiment. Nous serons des témoins du passage des ans dans nos vies en devenant de simples spectateurs, des personnes peureuses. Mais comment ne pas avoir peur si ce Seigneur est un démon? Des êtres tourmentés par nos propres fantasmes. Et cela, mes frères, implique un prix à payer très élevé. Parce que le prix est la vie elle-même. Au moins, je peux sentir ton amour dans cette cabane. Et comment? Tu n'imagines pas les années que j'ai passées à espérer à nouveau pouvoir m'occuper de toi. Ah, Blanca. Si seulement tous étaient comme toi. Allons, va. Je suis certaine que mon cher Pedro et ta fille se languissent aussi d'amour pour toi. Ces deux-là se révèlent être de vrais ingrats, tu peux me croire? Non, je ne peux pas le croire, ma petite. Mais si, crois-le, Blanca. Toutes ces années, je n'ai vécu que dans la peine et la douleur. J'ai beaucoup souffert, et personne ne m'a aimée. La seule chose que j'ai faite, ça a été de travailler. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais continué. Allons, ne dis pas ça, ma petite. Tes moments de douleur sont derrière toi, maintenant. Tu crois ça? Oui, vraiment, ma petite.
Ce qui se passe, c'est qu'il est malade et actuellement, il ne se souvient pas. Mais quand il ira mieux, il va t'enlacer. Il va t'embrasser beaucoup comme ça. Ah, je sais que son amour t'a beaucoup manqué durant toutes ces années. Mais il va te montrer ses remords de t'avoir délaissé. Ne t'inquiète pas. Tu crois ? Je ne le crois pas. J'en suis sûre, Amélia. Plutôt que tu ne l'imagines, tu vas redevenir la princesse de cette maison. Même plus, tu l'es déjà. Je vais lui donner à manger à la princesse, allez. Non, Blanca, c'est ce qu'on verra. Comme quand j'étais petite, Blanca. Regarde l'avion, ma petite, regarde l'avion. Qui se trouve dans la baraque abandonnée? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et ne t'avise pas de t'approcher de cette cabane, compris? Elle est en dehors de tes limites. Oh, mais qu'est-ce que t'as? Je posais juste une question. Eh bien, je te réponds, ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Si je voulais que tu saches ce qui se passe dans cette maison, eh bien, on se ferait des tresses, on se raconterait plein d'histoires. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Très bien, parce que si tu me faisais une tresse, c'est sûr que je perdrais tous mes cheveux, avec toute la méchanceté que t'as en toi. Aïe, 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 tu en as lu des contes. Oh, c'est bon, toutes les deux, calmez-vous un peu, ok? Les deux? C'est elle qui a commencé, papa. J'ai bien dit les deux, Camilla. Vous savez quoi? Je m'en vais. Ah oui, s'il te plaît, mets-toi à étudier, hein, car des qualités, tu n'en as pas. Ah. Tu n'es pas jolie, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas sympathique. Bon, toi non plus, Mariana. Tu vas respecter ma fille, enfin. À plus, papa. Bonne journée. Bye, bye. J'ai seulement dit la vérité. Depuis quand la vérité te dérange? Et donc, unissons nos prières pour accompagner Rosario, mère sans avoir enfanté. Mère combattante et forte. Et vous, mes frères, vivez. Ne cessez de vivre un seul instant, car ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu. Luttez, écrivez votre propre histoire. Coupez les mauvaises racines qui vous empêchent d'avancer et de réaliser votre destin sans vaciller. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, au moins, tu pourrais faire semblant devant moi que tu apprécies ma fille et que tu la traites bien, non? Bien sûr que non. Parfois, tu me donnes envie de... quelle frayeur! Écoute, je ne suis pas d'humeur pour tes sottises. Ce que nous devons faire maintenant est réfléchir à la façon de nous débarrasser d'Amélia avant que mon père ne se rappelle qu'il l'aime tant et que la fouine de Blanca ne lui dise que la petite fille perdue est ici. Tu t'imagines? Oui, bien sûr que je m'imagine. Il va en faire la reine de la maison, et toi et moi allons devenir les belles-sœurs et beaux-frères de Cendrillon. Bon, et alors?
Donc, il nous faudrait nous débarrasser de cette fouine de boniche. Oui, j'y avais déjà pensé. Agissons dans l'ordre, non? Bon, ne te préoccupe pas de ta sœur. Pour l'instant, il y a de fortes chances qu'elle ne fasse rien. Au demeurant, on lui a déjà rendu la vie tellement misérable que la pauvre se retrouve à devoir traîner son fauteuil roulant sur le chemin de la descente aux enfers. Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas te sentir. Oui, oui. Oui, oui, je le sais. Mais moi, je me trouve plutôt drôle. Tu es bien le seul. Carlos, mon amour, tu n'imagines pas la douleur que je ressens pour Rosario. Pour toi aussi, Marissa. Toutes mes condoléances. Merci beaucoup, Isabella. Pour nous, c'est important que tu sois ici. Inutile de le dire. On est une famille et la famille, ça sert à ça, non? À réconforter, n'est-ce pas, mon amour? Hein, Carlos? Isabella, merci. Il va être si difficile d'oublier cette gentille Rosario. Ah oui, je veux bien vous croire. Tu la connaissais? Eh bien, oui, un petit peu. C'était une femme très gentille. Très bonne. Si agréable. Eh bien, je me rappelle qu'elle m'adorait. Qu'elle t'adorait? Oui, mon amour. Tu te rappelles pas la fois où on est allé escalader la montagne et qu'elle nous a poursuivis en taxi parce que nous avions oublié les sandwichs? C'était si amusant. Isabella, je crois que l'important ici, c'est Rosario et non si vous avez mangé ou pas. Non? Bon, tu ne la connaissais pas, c'est vrai. Car tu entres à peine dans la vie de Carlos, n'est-ce pas? Isabella, tu sais, même si Fernanda n'a pas pu connaître Rosario, elle me connaît moi. Et ça, c'est plus que suffisant pour que Rosario l'ait accepté dans ma vie, non? Je te remercie beaucoup d'être venu, mon amour. Pour être ici avec moi. Merci. Clarita. Clarita, je sais que ce n'est pas le moment, mais... j'aime vraiment pas la façon dont ton patron te regarde. Ne t'occupe pas du patron, César. Il vaut mieux que tu ne le regardes même pas. Écoute, s'il se risque à te faire quelque chose, j'ai beau être petit, mais je te jure, je suis capable de... S'il te plaît, n'essaye pas de te confronter à lui. Cet homme est très mauvais. Ah non, ma Clary, dis-moi la vérité. Il t'a fait du mal ou quoi? Non, pas du tout. Mais tu n'as pas idée à quel point il est mauvais. Tu n'as pas de raison de le supporter. Écoute, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais suffisamment pour que nous soyons heureux. Allons-nous-en d'ici, César. Ma marraine est partie et... tout ce qui me reste est cette immense tristesse qui ne passera jamais. Mais... je peux essayer de te rendre heureuse. Tu sais que... je t'aime depuis le moment où je t'ai vue. Et cet amour grandit. Clarita... tu m'accepterais comme l'homme de ta vie. Tu te marierais avec moi? Oui, César. Bien sûr que je me marierai avec toi, parce que moi aussi je t'aime. Je t'aime, Marissa. Tu sais bien que c'est ainsi. Cette vie est pour les vivants et je ne veux pas paraître cruel, mais je pense que nous ne devons pas nous laisser aller. Oui, c'est comme ça. Malgré la douleur d'avoir perdu Rosario, nous devons continuer d'avancer. De plus, ça ne lui aurait pas plu que nous continuions ainsi. Oui. Heureusement qu'elle est partie en paix, sans avoir souffert. Elle va me manquer beaucoup, beaucoup. Moi aussi. Carlos est celui qui ne va pas le surmonter si facilement. Ah, s'il te plaît. Ce n'est pas sa mère qui est morte. Eh bien, c'est comme si c'était le cas, Luis. Rosario fut la mère que je n'ai pas pu être pour lui quand... quand j'étais si occupée à travailler pour nourrir la famille. Rosario fut d'une grande aide pour Carlos. Bon, mais maintenant c'est un homme et il doit comprendre que la vie est ainsi, non? Je dois aller à la banque. Mais je ne vais pas traîner, je veux être avec mon fils tout le temps. On se voit pour déjeuner? Oui, je t'attendrai. Bien que maintenant, je ne sais pas qui fera la cuisine. Tout le monde était enchanté de celle de Rosario. Si, vraiment. Elle cuisinait si bien.
aide. Ah, monsieur Fernando, vous n'avez toujours pas mangé. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas faim. Et moi, je vous ai dit que si vous voulez mourir de faim, eh bien, cherchez-vous un complice. Mais ce ne sera pas moi, je vous assure. Ah, tu racontes toujours les mêmes choses. Ah, avec toi, ça ne va jamais. Regardez, vous ne savez même pas dire les choses, hein? C'est mieux que je m'en aille, avant que je ne dise une grosse bêtise et que je finisse par m'en aller de cette maison. Et en plus, je n'ai même pas un bon salaire. Ah. Vieille folle en douille. Ah, docteur Carlos, je suis désolée de vous déranger, mais je vous appelle parce que je suis très préoccupée par monsieur Fernando. Non, si, sa fille est revenue à la maison et lui, il ne la reconnaît pas. Vous croyez que ce soit possible de venir l'examiner? C'est que monsieur Fernando est plongé dans une profonde douleur et je doute fort qu'il puisse en sortir sans votre aide, docteur. Merci beaucoup, docteur. Non. Oui, on va vous attendre ici. Qu'on peut les mettre sur pause un petit moment pour vivre la vie réelle. Ça, c'est sûr, j'oublierai pas les miens. Tout à l'heure, je dois aller aider mon père, alors il faut que je me dépêche. Ma fille. Comment ça va? Au fait, regarde. J'ai quelque chose qui va beaucoup te plaire. Ah oui? Oui. Tu as traîné ta mère jusqu'ici ou quoi? Non, papa. Je sais que tout ce que j'ai fait pour toi ne va pas compenser son absence. Mais j'ai une petite surprise pour toi qui va te redonner le sourire. Voyons voir. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est, Fernanda? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais mon amour, t'as volé une banque ou quoi? Papa, comment tu peux croire que je vais voler une banque? En plus, si j'avais volé une banque, j'aurais volé plus d'argent, non? C'est vrai, oui. Bah oui, bien sûr. T'inquiète, je le ferai pas. Non, en fait, il se trouve que les gens aiment bien ma façon de jouer du violon. Ah, c'est vrai? Oui. C'est bien. Écoute, mon cœur, tu n'as pas besoin de le faire. Parce que c'est moi le seul responsable. Écoute, papa, on avait convenu qu'on était une équipe et qu'on allait s'entraider. Mm. C'est vrai? Bon, alors, assieds-toi. Je t'ai fait à manger. Tu as fait à manger? Bien sûr. Et compte l'argent maintenant, s'il te plaît, pour voir si je on a assez pour... Je n'ai pas vraiment faim, mon amour. Papa, est-ce que tu peux être capricieux? Allez, assieds-toi et compte l'argent pour voir ce qu'on peut se payer. Autrement, je vais le dépenser en broutilles. Bon, d'accord. Mais comment ça, en broutilles? Oui. Non, qu'est-ce que tu crois? Allez, assieds-toi. D'accord, ouais. Et mon père? Bonjour d'abord, non? Oui, ce que tu veux. Où est mon père? Il est avec sa fille Amelia. Quoi? Regarde comme tu es blanche. Vraiment, tu as une sale mine, hein? Je n'arrive même pas à le dissimuler. Où est passé mon père? Chez le docteur, Mariana, chez le docteur. Ah, mais ton cynisme est vraiment incroyable, non? Tu ne veux même pas que ton père aille mieux, n'est-ce pas? Parce que s'il va mieux, il va vouloir être avec sa fille favorite. Tais-toi, vieille bique! Ah, tu me respectes, espèce de mal élevée. Et toi aussi! Ne te trompe pas! Ne te trompe pas non plus. Je t'ai suffisamment changé de couche pour ne pas supporter que tu me parles ainsi. En plus, je ne suis même pas en train de te dire un mensonge. Amelia est sa préférée. Car même si toi et la vie l'avaient rendue amère de la sorte, elle a toujours été gentille. Elle a bon cœur. Au contraire de toi qui...
qui a le cœur noir et pourri. Tais-toi ! Même si ça te blesse, Mariana. Car la vérité blesse, n'est-ce pas ? Amelia est la préférée de ton père. Elle est la préférée de tous, de tous. De tous ceux qui la connaissent. Fais que ton mari ne la voit pas. Car il serait capable de te laisser pour elle. Bon, je nettoierai tout à l'heure. Au final, je suis là pour ça, ici. Et toi, tu vas ruminer ton amertume. C'est pour ça que tu existes. Ah, mais...